Bonjour à toutes et à tous, ici Nazmec pour une nouvelle session de Nazcraft Feed the Beast, mais pas Unleashed, hein, le vieux. Et on va faire une petite session. Je sais pas quelle longueur elle aura, bien entendu. J'y vais sans savoir ce que je fais, comme d'habitude. Des stocks énormes, ça n'a pas changé. Alors j'ai refait le petit tour de l'installation. J'ai remis tous les machins là en route. Les machins, les Igneous Extruders. Parce que c'est bien ce que vous disiez, hein. Il me semble que je l'avais dit d'ailleurs à l'époque. C'était le MFSU qui pompait toute l'énergie. Et là, il a l'air de s'en sortir correctement. Là, on va bien voir, hein. On va bien voir, il a l'air de bien s'en tirer, donc de bien produire en masse. De la masse. Et donc c'est très bien. On attendra d'en avoir 7 stacks pour. Enfin bon, on attendra d'en avoir de grandes quantités pour faire éventuellement la tenue quantum, parce que voilà. La torche de redstone, elle vient du trou là-dedans qui désactivait la machine du bas. Hein. Donc c'est tout bon. C'est tout bon. Et puis on va commencer par un petit truc. Ça faisait un bon moment que j'ai dit que je le ferais, c'est déplacer la carrière. Et il y a une proposition qui date un peu dans les commentaires, qui est tout simplement très bonne, c'est d'installer la carrière dans la forêt Twilight. Pour l'installer sur... comment? Sur une colline creuse. Donc c'est ce que je vais faire, je pense. Et en regardant dans les coffres, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit truc que j'avais pas enregistré dans un coffre. Là, j'ai bien regardé, je l'ai. Il me semble pas que je l'ai enregistré. Et ça. Alors, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai fait un patron de coffre d'obsidienne, de coffre Ender, incomplet d'ailleurs, il manque une poudre de blaze. Pourquoi je me suis cassé le cul à faire ça s'il n'y avait pas une bonne raison? Eh ben, j'ai cherché, j'ai mis du temps à y retrouver. Un moment dans la forêt Twilight. Eh, on peut pas laisser le clic enfoncé, ça change ça, Dunlicht. Un moment dans la forêt Twilight, j'avais posé un coffre Ender, que j'avais récupéré dans un coffre, et j'avais posé du matos dedans. J'avais essayé de le récupérer, et il avait explosé. Ce qui fait, bien sûr, bien entendu, que son contenu est resté dans le coffre Ender, et m'était totalement inaccessible. Donc on va maintenant le récupérer, d'autant plus qu'il est très sympathique. Et surtout que j'ai ça à l'intérieur, j'ai pu... Alors, la carte de labyrinthe, on garde. Les petites potions, on va les ranger quelque part. Bloc d'émeraude, de la mie, enfin du minotaure. Ces machins-là, et aussi les arcs infinités. Voilà, c'est réparé. Enfin, c'est récupéré plutôt, je devrais dire. Donc ça fait plaisir. Bon. Et on va ranger ces bordils. Pof, pof. Les potions, j'en ai déjà des potions. Oui, elles sont. Bah oui, elles sont là-dedans. Hop, on va toutes les mettre là. La caillasse, on la fout là. La carte. La carte, la carte, la carte. Bon, on va la mettre là. Et la bouffe, elle est là-dedans. Bon. Bon, hop. 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 Yeah. Ah oui, Nagastone, c'est vrai. Hop. Et puis ce machin-là aussi, d'ailleurs. Où est-ce que je les mets déjà, les torches rouges? Je sais plus. Je sais pas du tout. Non, on va les foutre là-dedans. Voilà, on va la foutre là-dedans. Ok. Donc ça, c'est récupéré. Et... Qu'est-ce que je voulais voir aussi? Qu'est-ce que je voulais voir aussi? Oh bah là-dedans... Oui, les arcs infinités, oui, il y en a un qu'il faut que... Éventuellement que je fusionne, là. Faudrait que je fusionne les deux. Bah écoute... Ça coûterait... Too expensive. Ah, on peut pas. On peut pas? Ah, dans l'autre sens, on peut. Chercher la logique.
Alors attends, voir. Le punch 2 il changerait pas, mais ça ferait qu'à rajouter le power 4 sur l'arc de l'infinité. J'ai mieux. J'ai mieux que ça. Donc ce vieil arc, il a été très utile, mais on va l'enlanger. Et cet arc d'infinité qui fait qu'on a besoin maintenant que d'une seule flèche. Que d'une seule flèche. À moins qu'il y ait déjà dans ce pack de mode la petite modification. Non. Non, c'est avec Unleashed qu'il y a une petite modification de l'enchantement d'infinité. Yes. Qui permet en fait de tirer. Oui, normal, on peut pas la récupérer. Qui permet de tirer à l'infini, même si on n'a pas de flèche en poche. Quoi qu'il en soit. Paf! Oh putain, ça va bosser longtemps. Si on peut le rendre plus puissant, moi je suis pas contre. Bien au contraire. Donc c'est ce qu'on va faire. Pendant ce temps-là, on va aller récupérer le matos de la carrière, le ramasser et le garder en poche. Je vais me faire par contre une pioche en diams pour pouvoir récupérer le matos Ender, parce que là ça va devenir non, c'est pas là-dedans. Ça va devenir intéressant de faire ça. Ça marche comme ça? Non. Là. Ah là, une pioche en diamant. Limite l'enchanter avant. Non. Non, on va l'enchanter après. Déjà que celui-là, il va mettre des plombes à se faire. Ouais, et puis il y en aura bien assez d'essence. Allez, dans le doute. Et puis ces petits sèmes, j'ai pas vérifié, mais à mon avis, ils sont vraiment vers le câble de redstone. Quoi qu'il en soit, ça, on y remet en route. Et là, on va aller démonter notre carrière. Il était temps. Notre carrière qui est là-bas. Qui est là-bas. Là-bas, là-bas. Oh! Là-bas. Qui est juste à côté. Donc. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'avais posé ici? Très bien, la source d'énergie, je me souvenais plus si c'était un panneau solaire, donc elle sera pas dépendante de la luminosité de la forêt Twilight. Ça, c'est très bien. Lui, il ne tourne pas, oui, c'est très bien, c'est très bien. Là-dedans, il n'y a plus rien, bien entendu. Et donc ça, c'est prêt à être ramassé. Bah, nickel. À la limite, je ferai un autre moteur électrique. Parce que lui il produit 20 et chacun consomme 6, donc je peux mettre jusqu'à 3 moteurs électriques sans problème. D'ailleurs, je ferais peut-être un moteur redstone avec un tuyau en obsidienne. Ah, pas en obsidienne, en émeraude. Pour récupérer la cobble et la mettre directement dans le baril, ça on pourrait toujours en faire plus. Quoique la cobble, j'en ai pas vraiment d'utilité. Ah, on verra. Quoi qu'il en soit, toi maintenant, normalement je peux te ramasser. Yeah, je peux. La molette est toujours un chier, c'est pas grave. On s'y fait, on s'y fait. Allez, on récupère ça. Hop. 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 Les tuyaux aussi. Tant pis pour la petite quantité de lave qui est perdue. Alors, ça que je veux. Voilà. Bon, bah, la pioche. Hop, et il reste le réservoir. Et allez, hop, voilà. Voilà, tout est récupéré. Ben ça, apparemment, ça va disparaître petit à petit. C'est pas plus mal, hein. Puis le gros trou, lui, par contre, il va pas disparaître de sitôt. Par contre, ce qu'on peut faire pour le gros trou, histoire de dire. Allez, on vire la flotte. Enfin, il y en a encore là-bas d'ailleurs, remarque. Donc ça ne fait que déplacer le problème. Et bon, on va aussi la virer là-bas. On va vider ce grand trou. Parce que pourquoi pas. Parce que pourquoi pas. Hop. Eh!
Voilà, donc jusqu'à la prochaine source d'eau souterraine, ça va descendre. Et laisser un grand trou pour je ne sais quoi. Je sais pas quoi. Mais regardez ça. Bon, ça, en tout cas, c'est récupéré et bientôt prêt à installer. Il manque un moteur électrique, éventuellement quelques fibres de verre, moteur redstone, quoique fibres de verre, je peux utiliser des câbles de moins bonne qualité, c'est pas gênant, vu le nombre de câbles dont j'ai besoin. J'utiliserai, ouais, bon. Bof, on va déjà voir ce qu'il y a en stock. C'est par là qu'il y avait un trou. Ah oui. Ah, oui, c'est vrai. Ça surprend. Ça surprend toujours un peu. Ça surprend toujours un peu. Bon. Bien alimenté, toi, y a pas de soucis. Ouais, oui, t'es gentil, t'es gentil. Et toi, tu avances petit à petit. Ouais. Ça consomme quand même plus vite que ça ne produit, hein. C'est pas non plus une grande surprise. Bon. Alors, le moteur électrique. On va déjà revoir ce qu'on a en réserve. Ouais, la fibre de verre, j'en ai bien assez. Pas besoin de recréer d'autres câbles. Me servir d'autres, ça irait bien. Ça, il va me le falloir aussi. Il va me falloir également des blocs de support. Un paquet. Voilà. Qu'est-ce qu'il va me falloir d'autre? Oui, donc le moteur électrique, disais-je. Moteur électrique 3, 8, 11 lingots d'étain. Ça peut se faire. Bah ouais. 11 lingots d'étain, de la cobble, du bois. Du bois. Des bâtons plus précisément. Très bien. Ah, il va falloir encore plus de bois de toute façon. On va faire ça tout de suite. On va faire ça tout de suite. Hop, 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 hop. Tac. Tac, 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 tac. Voilà. Déjà ça. Ça, ce sera suffisant. En dessous. Hop. Ah, oh, il y en avait déjà, je suis con. C'est pas grave. Une redstone. Est-ce que j'ai encore de la redstone? Oui. Est-ce que j'ai du fer? Oui. Ouais, j'ai de la cobble. Donc, poc, poc, poc. Tac, 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 tac. Tac et tac. Et maintenant, un bloc de verre. Verre, j'en ai bien assez également. Ça fait plaisir d'avoir toutes les ressources nécessaires. Ça fait plaisir. Oui. Tac, tac et tac. Et là, non, là aussi. Paf, moteur électrique. Alors, le redstone. Redstone engine. Du bois. 8 bâtons et 3 blocs de planches. Et encore un piston et du verre, c'est ça? Encore. J'aurais dû faire dans la foulée, tant pis. Piston. Piston. Ah, là, bien assez de bois. Quoique, pas assez de bois. On va commencer par faire ce piston à la noix. Paf, 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 paf. Pam et pam. Tac. Tac. 2, 3, 4, ta, 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 ta. Voilà.
Et j'imagine que j'ai trop fait de planches de bois. Que je les ai trop consommées. En dessous, que je les ai trop consommées, bien entendu. Ça aurait été trop beau si j'avais fait ça correctement, hein. Bon sang. Bon sang. Hop. Bloc de verre. Bloc de verre, je l'ai pas. Bloc de verre. Et maintenant, j'ai tout. Donc. Voilà. Voilà. Là. Là. Là, là et là. Voilà, enfin. Ça, c'est pour chez nous. Non, ça, c'est là. Alors, maintenant. Maintenant, une torche rouge pour nous. Il me faut une deuxième torche rouge. Il va me falloir une autre. Parce que j'y pense, il me faut une torche rouge pour allumer, pour activer les moteurs électriques. D'ailleurs, on va en faire quelques-unes d'avance. Éventuellement. Va nous en falloir une ici également. Encore du verre. Avec cette fois de l'émeraude. Non. Table de craft. Tac, tac. Tac, paf. Des tuyaux en cobble, très bien. Des coups de pioche bien placés. Qu'on va faire avec celle-ci. Hop. Ça va passer à travers le plafond. Pourquoi pas. Non, ça c'est pas une bonne idée par contre. Quitte à y accéder de l'extérieur. J'ai pas envie de rencontrer un creeper. D'ailleurs, en parlant de creeper. Oui, difficulté normale, on est bien d'accord. Alors. Si le tuyau en émeraude, on le met là. Comme ceci. Non. Ça va pas le faire, non. Donc il faut le mettre derrière. On le met ici. On va d'ailleurs tout de suite le régler sur cobblestone. Uniquement cobblestone. Ensuite. Ensuite. Moteur redstone, alors il faut le mettre là. Parce que ça va passer là-haut, comme ça, à travers la pièce. Donc le moteur redstone, qui ne peut pas exploser, rappelons-le, quand il est branché à un tuyau. On peut le foutre comme ceci. Très bien. Très bien, parce que ça on le fout là. Là on le fait passer à travers la pièce. Jusqu'à... On va même le faire passer de façon bien visible. Quitte à faire. Oups. Voilà, tout autour du lit. Hop, 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 voilà. Comme ça, normalement, si je mets un truc de cobblestone là-dedans, il va être envoyé lentement, mais sûrement de l'autre côté. Donc ça, les cobblestone transport pipe, il n'y en a plus besoin. Emerald non plus. Ça fait partie de l'ensemble carrière. Là, ça semble correct.
Ouais. Vite ça, on est fou comme ça. Top, voilà. On peut faire le test. Si je fous une flèche dedans. Vous voyez, elle a pas l'air d'être pompée. Si je fous une cobble. Eh ben ça y est, elle est partie. Et la flèche, elle n'a pas été touchée, donc ça marche nickel. C'est juste que là, ça va être très lent. Donc ce qu'on va faire, c'est du tuyau en or. Les tuyaux en or accélèrent les objets qui passent à l'intérieur. Donc ça, ça ira un peu plus vite. Alors par contre, on va le foutre où? Eh ben écoute, on va en foutre un ici. Hop. Et puis un autre là, quitte à faire. Hop. Voilà. Donc maintenant, si je mets un peu de cobble à l'intérieur, n'importe où. Pour l'instant, il est lent. Et une fois qu'il va là, ouais, c'est pas très net non plus, hein. Enfin, si, ça se voit, mais c'est pas non plus des records de vitesse. Ah, ben, là, par contre, ça va déjà mieux. Là, par contre, ça a déjà l'air d'aller mieux. Et puis, ça rentre bien dedans. Nickel. Nickel. Par contre, ce qu'on peut faire en prévision pour toi, pour le tonneau, est-ce qu'on va devoir le faire un jour? Voilà, c'est celle-là. Alors, ça j'en ai, j'en ai du cuivre. Du cuir, ça j'en ai, Dark Iron, ça par contre j'en ai pas. Dark Iron, j'en ai pas. Et un bloc de Dark Iron, j'en ai pas non plus. Oui, ben ça va pas m'aider ça. Ça me serait très pratique. Je veux un stack complet. Ça me serait très pratique. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça déjà je vais y mettre là. Ça, on va y garder là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser un petit instant pour m'informer sur comment faire ce fer sombre. Parce que ça permettrait d'augmenter grandement la capacité du baril, du tonneau. A tout de suite. Donc, j'ai trouvé comment faire cette saleté. Oh mon dieu. Donc, ça va demander... Non, pas recette. Use. Ça va demander de faire d'abord ceci. Rien que ça. 4 blocs d'obsidienne, 4 de TNT, 1 bloc de diamant. Ce qui va permettre de créer un craft packet. Une fois qu'on a le craft packet... Hop là, je viens de lag. Il faut créer le craft packet stamper. Qui lui se fait d'une manière très simple. Un peu de fer, un piston, de la cobble, table de craft. On met le craft packet dans le stamper et ça va nous donner... Diamond. C'est quoi ces petits chouïa de lag là? C'est chiant. Ça va nous donner ceci, Diamond Shard. Qui lui est ensuite utilisé avec une Nether Brick pour faire un Wrathing Nether. Qui lui doit être utilisé sur ensuite un bloc de fer pour donner un bloc de fer sombre qui lui peut être crafté en 4 lingots de fer sombre. Et ces pics de lag m'énervent. Sûrement parce que je suis passé d'un monde à l'autre. Je retrouve, je redémarre le jeu. Parce que je suis passé dans le monde test pour vérifier que ça foirait pas. Oh mon dieu. Donc, passons aux choses sérieuses. Ce que je vais commencer par faire, c'est me vider un petit peu les poches. Il risque rien le matos, il va pas être pompé par bordel. Comme ça, j'ai les mains libre. Bon, il va me falloir. Il
Il va me falloir du piston. Il va me falloir un peu de piston. Écoute, on va prendre un stock. Là, on prend du stock. Histoire d'être sûr. Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose là-dedans? Je ne crois pas. C'est du thomium. Je ne crois pas. Bon. Pas pour l'instant, du moins. Toc, 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 toc. Non. Là. 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 Ça, ok. Il va falloir aussi... On va commencer par le craft machin, ce machin là, craft packet stamper. Il va falloir aussi donc 3 lingots de fer et une table de craft. Hop, alors hop, tac 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 tac, tac tac tac, tac. Craft packet stamper. Le stamper qu'on va mettre. Ici, peut-être pas. Si je mets à jour un autre tonneau, j'aimerais bien pouvoir y tourner. M'en fous. Ok, ok, ça c'est bon. Ensuite, il va me falloir 4 blocs de TNT, 4 blocs d'obsidienne. Alors, l'obsidienne, j'en ai assez. Et bien la TNT aussi, c'est pas beau ça. 4, seulement 4. En gros, il va me falloir un bloc de diams. Et ça, bien entendu, je n'en ai point. Diamant, diamant, diamant. Un diamant, ça se fait à partir de 4 or. Sachant qu'il me faut 9 diamants. Je crois que j'ai pas les moyens de me faire ça. Pas directement. Un diamant, ça se fait avec 9 UU, si je me trompe pas. On va retrouver rapidement. Diams, 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 diams. 9 UU, en effet. 9 UU. Ah, par contre. L'or, là, avec 5, ça m'en donne 2. 2 minerais, donc 4 lingots, donc un diamant. Je me trompe pas, il en faut que 4 de lingots d'or. C'est pas là. Ouais. 4 lingots d'or, donc avec 5 UU, je peux avoir un diamant. Donc 4 fois 5. Non, 9 fois 5. 45. Allez, à la limite, 45, 45, voilà, ça va se montrer utile. Ah non, ça s'accumule, bordel. Oh, moi qui pensais que ça suffirait. Depuis tout à l'heure, ça s'est accumulé. Oh! Oh 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 oui, en effet, ça c'est une, c'est un excellent argument ça. Vite, redstone, vite, torche rouge. Elles sont là-dedans, vite. Oui, j'aurais pu en faire une avec ce que j'avais sur moi d'ailleurs. Oui, pas bon. Pas bon, et puis je vais devoir en faire une avec ce que j'ai sur moi. On désactivait le dernier. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ici. Stop. Chut. Taisez-vous. Bon, lui, il arrive à traiter sans problème. Lui, d'accord. Ouh, pénurie de lave dans le Nether.